Alors, le laboratoire de l'ENSA sert à plusieurs choses. La première, c'est de doter le département alpinisme et escalade de l'ENSA d'un outil pour vérifier les techniques utilisant l'alpinisme et escalade. On travaille aussi avec des petits fabricants de matériel de montagne en recherche et développement avec eux. Le laboratoire préside toutes les commissions de normalisation au niveau international, européen, mondial avec l'UIA. On est allé sur un glacier mesurer la force de choc qui s'exerce sur le baudrier d'un alpiniste quand il retient une chute en crevasse. Dans un premier temps, on a fait varier uniquement le diamètre des cordes utilisées. Deuxième temps, on a rajouté des nœuds sur la corde afin de mesurer éventuellement des différences de mesure. Alors pour pouvoir comparer les cordes de façon objective, on est amené à installer un corps mort, donc à une vingtaine de mètres environ de la crevasse. Et puis on a installé des gros trépieds qui permettent de pouvoir positionner une masse qui va tomber dans la crevasse de façon reproductible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va avoir exactement la même chute. Chaque chute est enregistrée sur un dynamomètre qui est fixé donc sur le corps mort. Et on enregistre une courbe, donc de la force dans le temps, qui va pouvoir nous donner aussi l'énergie dissipée et absorbée par la corde. Donc la corde rose et noire là, cette corde elle sert à obanner en fait le trépied qui est là-bas, à le maintenir à l'aplomb. Hein. Ensuite la corde blanche, celle-là, avec un système débrayable, elle sert à amener donc le poids, la charge au milieu de la crevasse. Une fois que la charge après elle est remontée, avec cette corde blanche, il faut la débrayer pour la ramener au niveau du trépied pour permettre le changement de corde qui est testé. Donc là, le système, il est prêt à être largué. Ça, c'est la corde qui va assurer le bidon quand il va tomber. Et ensuite, quand on tire sur la cordelette en Kevlar, le petit fil jaune, il s'en va et ça largue ce mousqueton. Donc la masse, elle est libre après. Premier essai de simulation d'une chute en crevasse. Une masse de 80 kg tombe dans une crevasse. Les deux alpinistes supposés être encordés d'une quinzaine de mètres. Et on enregistre l'effort sur l'assureur. L'effort sur l'assureur, donc il y a un capteur au niveau de l'assureur qui a enregistré ici un effort d'environ 180 kg. Et donc on a un capteur par télémétrie. Là, le capteur est là-bas. Et puis là, ces deux petites antennes ici, puis sur le capteur, on reçoit directement sur l'ordinateur. On enregistre les courbes d'effort. On va faire les mêmes essais avec des nœuds. Là pour l'instant la corde est lisse entre les deux personnes et vous savez que si on met des nœuds entre les personnes sur la marche sur le glacier, eh bien à ce moment-là les nœuds absorbent de l'énergie, empêchent et donc soulagent d'autant l'assureur. Et on peut espérer à ce moment-là que l'assureur soit capable de retenir. Diablo avec nœud. 3, 2, 1. Toutes les caractéristiques de chaque test sont rassemblées dans un tableau où on note à la fois la corde utilisée, la distance d'encordement, la date, la météo, c'est-à-dire la température, l'hydrométrie du moment, la force de choc enregistrée. Et tout ça, c'est fait pour chaque test. Donc sur ce graphique, on a la courbe violette qui est la courbe de la corde Dyneema. La corde est double. L'ice line, utilisée en simple, absorbe sensiblement moins d'énergie. La force maximale engendrée sur l'alpiniste retenant la chute est de 180 dK. Avec la corde à simple, Diablo, de 200 dK. L'ice twin qui, elle, est la courbe rouge, donc la courbe la plus favorable. L'ice twin utilisée en simple est la corde qui absorbe le plus d'énergie et donc celle qui permettra d'enrayer le plus facilement une chute en crevasse. La corde Dyneema, 365 dK, soit 132% de plus que l'ice twin. Il est clairement impossible pour un alpiniste d'enrayer une telle chute. Donc cette corde est vraiment déconseillée pour un encordement sur glacier. Donc cette étude a été effectuée avec un type de neige particulier, plus proche d'une neige d'hiver que de la neige à grains ronds compactés qu'on rencontre en été. Il faudra faire d'autres mesures dans différentes neiges avant de pouvoir conclure sur la pertinence des nœuds pour l'encordement en randonnée glaciaire.